Barnabas Kanga. Consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Afoué Pierrette Achi, ici présente. Mademoiselle Afoué Pierrette Achi, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Kwadio Barnabas Kanga, ici présent. Oui. Cette déclaration et toutes les formalités exigées par la loi étant remplies, je prononce au nom de la loi que vous êtes unis par les liens du mariage. On les applaudit. Mesdames et messieurs. Voilà qui est désormais officiel et surtout légal. Madame Kanga, chère madame, faites face à monsieur. Monsieur va faire face à madame. Monsieur Kanga, veuillez relever le voile s'il vous plaît. Monsieur, madame Kanga vont se tenir les mains, main dans la main, et le bisou du bonheur, le bisou. La tendresse. Nous allons aider le couple à se distinguer, inviter madame et monsieur. Nous donnons lecture d'un extrait de l'acte de mariage de monsieur et madame Kanga. Le 11 juillet 2024, devant nous, madame Ebla Rachel Kagou, conseiller municipal, officier de l'état civil de la commune de Port-Boué, ont comparu publiquement en notre mairie, monsieur Kwadio Barnabas Kanga, logisticien domicilié à Abidjan, Port-Boué, fils de Kwaku Kanga et de Amouin Monique Yao, et mademoiselle Afoué Pierrette Achi, technicienne en bâtiment, domiciliée à Abidjan, Makori, fille de Kwadio Achi et de Nguessan Nguessan. Sur notre interpellation, ils ont déclaré vouloir se prendre pour époux. Et nous avons posé qu'ils sont unis par le mariage en présence de Marie-France Amon, comme domiciliée à Abidjan, Kumasi Ramblay, et de Afoué Naomi Kwasi, épouse. S'il y a une erreur, vous nous dites. Non, il n'y a pas d'erreur. Et de Afoué Naomi Kwasi, épouse Nzoué, couturière, domiciliée à témoin majeur. Lecture faite, nous allons signer avec les époux et les témoins. On applaudit très. Thank you.
les époux ont décidé que les documents afférents à l'acte de mariage soient remis à M. Kwadio Barnabas Kanga. Monsieur Kwadio, c'est le livre de Kwadio. Il y a 12 pages. Je t'invite de rentrer dans le laboratoire et de fabriquer 12 champignons. Veuillez vous asseoir, monsieur, madame. Je tiens d'abord à vous féliciter parce que le mariage c'est un engagement fort et là vous avez encore du chemin, vous avez du chemin et vous êtes entourés de deux belles personnes et vous les avez choisies, vous savez pourquoi. Et je pense que si vous avez des soucis, ce sont ces deux personnes. Il y a Dieu, c'est vrai, et ces deux personnes-là pourront vous donner de bons conseils. Barnabas, quand tu l'as rencontré, tu as dit, je l'ai choisi parce qu'elle craint Dieu. Je pense que c'est un élément important dans la vie de vous, la crainte de l'Éternel. Et Pierre t'a dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est lui. C'est ça? Donc je pense que Pierrette, tu dois t'accrocher à cette parole. C'est vraiment lui. Et lui, il sait que tu es aussi sa femme. Tu es sa côte. Je vous demande de vraiment communiquer. D'être ensemble. D'avoir des moments de qualité. C'est vrai que, comme on dit, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Même la vie de couple, c'est pareil. Mais quand vous avez des soucis, comme j'ai dit, il y a Dieu. Et vos deux témoins qui sont là, vous êtes jeunes. C'est vrai, c'est pas facile. Mais tenez bon. Parce que c'est beau l'amour quand on vous regarde. Pierrette est rayonnante. Et je sais que Barnabas a fait le bon choix. Je vous souhaite beaucoup de la vie. Vous pouvez fêter les noces d'or. C'est possible, hein. C'est possible, vous pouvez le faire. Pierrette ne parle pas beaucoup, je pense. C'est pas un défaut pour une femme, parce que les femmes sont gardiennes de la lumière. C'est vrai que quand on regarde le pont, il y a le pilier, et puis il y a, disons, le pont qui est là, la route. Le pilier, on ne voit pas le pilier, mais c'est sur ce pilier-là que repose. Voilà. Donc, Pierrette, c'est une très très bonne femme. Et tu as fait le bon choix. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde Pierrette. C'est tout ce que je te demande. Et que Dieu bénisse votre union. Qu'il y ait les 12 champions que j'ai commandés. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je dis merci aux deux témoins. Elles sont déjà rayonnantes et ça promet. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de soucis. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si ce prend fin, la cérémonie civile, je vous remercie. Merci, madame le maire. Ceci, c'est une parole que la cérémonie civile s'achève.